devrait prendre plus souvent le petit déjeuner ensemble, vous trouvez pas? Ouais, c'est génial, comme ça on a notre directrice pour nous tout seul. Et nous, Brigitte, on a nos animateurs pour nous toutes seules. Ouais, c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent. N'est-ce pas, Tom? Ah, Brigitte? Ah oui, c'est très sympa d'être ensemble. Allez, est-ce que tu veux encore un peu de thé? S'il te plaît, mon. Hop. Tu veux du jus orange, Agnès? Oui, merci, Eric. Qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Non mais je crois qu'ils ont quelque chose à me demander. Non, ah, bah non. Non, on prend simplement soin de notre directrice. Bah. Non, vous n'auriez pas une petite permission spéciale à demander pour aller faire une déclaration à une fille comme Michou hier, tiens par exemple? Non. Oui. Bon. Ah oui, au fait, c'est ce matin que Madame Vipro va lui donner sa réponse, non? Ouais. Moi, il me tarde de la connaître. Mais justement, je voulais relever la tête qui fait. Bonjour, ma messagère. Hein. Bonjour, Brigitte. Bonjour, messieurs. Bonjour, Norbert. Bonjour. Tout va bien? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Je m'explique, mademoiselle Gérard. Tant que Suzanne ne m'aura pas donné sa réponse, je ne saurais pas si tout va bien. Vous comprenez? Instant, ma vie tient un fil. Je comprends, Norbert. Je... Si elle me dit oui, c'est l'amour, la joie, la liberté, si elle me dit non. Attendez, je n'ose même pas l'imaginer. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien, hein? Elle va dire oui. Vous pensez, moi? Oh oui, oh, oui, j'en suis sûr. Oui. J'en suis sûr. Vous me redonnez du courage. Permettez, je vous serre la main, moi. Bah ouais. Gentil garçon. Oui. Bon, je vais retourner dans mon bureau, ça m'occupera l'esprit. Oui, ne vous inquiétez pas, Norbert. Hein. Comme Mo l'a dit, tout ira très bien. Il est gentil comme tous, garçon. Bon, merci pour votre soutien à tous. C'est très gentil, merci beaucoup. Tu t'es fait un nouveau copain? Oui. Bah, moi, je trouve tout sympa depuis qu'il était amoureux de Vipéro. Ouais. De Suzanne. De ouais. Suzanne. Les copains. J'ai conclu. J'ai conclu, je vous dis. J'ai conclu. Ouais, c'est génial. Arrête, je t'en prie, c'est gênant, tout le monde te regarde. Mais c'est pas grave, écoute, on s'en fout. Allez, j'ai conclu. Allez, tatoue. Gérard, j'ai pensé que vous aimeriez avoir le bilan du dernier mois. Mais vous avez fort bien pensé, Norbert. Voici, mademoiselle Gérard. Je vous remercie. Alors, vous avez une réponse de ma Vipéro? Pas encore, mademoiselle Gérard. Pas encore, malheureusement. Comme vous l'imaginez, je suis sur des charbons ardents. Je peux quand même travailler. Oh oui, ça, non, ne vous inquiétez pas. Oui, Norbert. Ben justement, j'aurais voulu voir avec vous le problème concernant les dépenses du restaurant. Oui, bien sûr, mademoiselle Gérard, bien sûr. Ah. Allô, oui? Ah, Suzanne. Ah bah oui, justement, il est là. Oui, je vous le passe. C'est mademoiselle Vipéro. Elle voudrait vous parler. Voilà. Merci, merci, Brigitte. Oui. Mes hommages, chère Suzanne. Oui? Oui? Je vous écoute. Oh non! C'est lui! Oh, ça alors! C'est formidable! Chère Suzanne! Oui, à tout à l'heure. Je vous embrasse. Mademoiselle Gérard, c'est oui, c'est formidable. Toutes mes félicitations, Norbert. Oui, bravo, monsieur Michou. Bravo. Vous permettez que je vous embrasse, mademoiselle Gérard? Mais avec plaisir, Norbert. Vous aussi, ma petite bibou. Oui, monsieur Michou.
Et moi, Norbert, quel bonheur, quel bonheur. Ah, oui, bah, on vous comprend, Norbert. Hein. Bon, c'est nous remettions au travail. C'est le plus beau jour de ma vie, vous savez. Oh, mais ça, on comprend bien, on voit. Bon, Norbert, allez, au travail. Norbert ? Oh, Norbert ! Oui ? J'aimerais qu'on reparle du problème, là, au sujet du restaurant. Oh non, je ne veux plus. Comment ça, vous ne voulez plus ? Oh non, 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 plus jamais. Non. Je vais rejoindre Suzanne de Spa. Enfin libre de me consacrer à l'amour. Mademoiselle Girard, Brigitte, un homme nouveau vous salue. Un homme, enfin libre, qui ne va faire plus qu'une seule chose. Aimer. 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 Mais Norbert! Vous avez envie de travailler, vous? Bof. Bof. Et toi? Moi, bah, bof, bof. Hein? Et si on se trouvait trois petites mignonnes et une crique déserte? Bof. Non, bah, et c'est quoi qui vous met dans cet état-là? C'est Bob? Bah, au moins, lui, il est heureux. Hein. Mais c'est vrai. Il a trouvé chaussure à son pied, lui, au moins. Tandis que nous, on est toujours là, à courir après d'autres filles. Et c'est pas une vie, ça, Yann. Non, alors, attends, pense-moi, Tom, là, s'il te plaît. Vas-y. Hey, ben non. Je ne rêve pas. Et c'est toi, Mo, qui viens de dire ça. Je veux dire une chose, j'en ai marre, moi, de cette vie de patachon, tu vois. J'en ai assez. Moi, je veux faire comme Bob, je veux le fixer et conclure, voilà. Non, mais il est fou, Tom, il est fou. Hein? Bah, tu sais, des fois, j'y pense moi aussi. Quoi? Non, mais vous êtes devenu complètement dingue ou quoi, là? Hein? Eh, regardez. Oh, bonjour. Ah, bonjour, madame Vipero. Vous en prie, mon petit homme. Et là, Suzanne. Ah, bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Mon cher Mo, vous aviez raison. Suzanne a dit oui. C'est formidable. Félicitations. Bravo. Ouh, merci. Je dois dire que c'est un jour de grand bonheur. Bien, Suzanne, oui. Les transats nous attendent. Ouh, oui. Monsieur Michaud, vous ne travaillez pas aujourd'hui? Mon cher Mo, tout d'abord, appelez-moi Norbert. Norbert, alors? Norbert. Ensuite, sachez que je ne travaillerai plus jamais de ma vie. J'ai suffisamment mis d'argent de côté pour vivre tranquillement avec Suzanne. Nous ne ferons plus jamais qu'une seule chose, nous aimer. Oh, c'est un programme qui me convient parfaitement. C'est ça le secret du bonheur. L'amour. L'amour. Bonne journée, messieurs. Et bon, même tard de voir la tête que va faire Agnès quand elle va apprendre que Michaud a plus envie de travailler. Moi aussi. En tout cas, en voilà un qui s'est encore casé. Eh oui, nous, on est le seul à pas être casé. Et oh, ça va pas recommencer, non? Moi, je vois qu'une chose, c'est que pendant que Michaud est en train de batifoler, nous, on peut carrément lever le camp et hop, ni vu ni connu. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bon. Oh, alors, c'est pas vrai. Oh, hey, regardez, il y a Betty. Et vous avez vu la fille qui est avec elle, là? On y va? Non, j'ai pas envie, moi. Oh. On y va, Mo? On y va? Ah non, moi, aujourd'hui, Oh, mais qu'est-ce qui vous prend, là-haut? Salut, les garçons! Salut, Betty. Oh, salut, Betty. Salut, Betty. Vous avez vu? J'ai retrouvé une copine par hasard. Ouais, elle a l'air sympa. Ouais, super sympa. Ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vus, Sandra et moi. Oh, c'est marrant de se retrouver comme ça. Ouais, ouais, c'est marrant. Hein, Mo? C'est marrant? Ouais, c'est marrant. Bon, eh ben, je vais la rejoindre, hein? Non, Betty, attends, attends, attends. Oui, mais ma copine... Bah, tu lui dis que tu vas revenir. Bon, d'accord. On se retrouve là-bas? Ouais. Bon, vous êtes vraiment nuls, tous les deux, hein?
Moi, j'y vais. Et puis, si on me cherche, m'avez pas vu. Hein. Ah, d'accord. Tu sais, Mo, je crois que pour être heureux, il faut aimer. Ouais, Michel a raison. Il faut aimer. Les garçons, venez vite, c'est Bob. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est Bob, il a voulu se tuer. Quoi? Mais... venez vite. Oui, on arrive. Ça, Bob, hein? Mais je sais pas, on était en train de s'embrasser et tout d'un coup, il s'est jeté contre le mur en criant comme un fou. Bah oui, c'est la joie, quoi. Quoi? Hé, hey Bob, qu'est-ce que tu racontes, là? Mais oui, c'est la joie d'aimer, c'est la joie d'être aimé. J'ai senti comme une force immense qui me soulevait et j'ai eu envie d'aller me jeter la tête contre le mur, quoi, voilà, comme ça. Comme ça? Oui, comme ça, tout d'un coup, c'est dingue, c'est ce que j'ai fait, voilà. Oh, c'est beau. Oh, allez, enfin, vous vous rendez compte, j'ai conclu et je continue de conclure. Depuis le temps que j'en rêvais, j'aime Anita et elle m'aime. Enfin, c'est complètement fou, non? Oui, Bob. Et Bob, surtout, calme-toi. Ah ben, non, j'ai pas envie de me calmer, je me calmerai jamais. Je continue à vivre ça dans la passion de l'amour, du matin jusqu'au soir. Je veux conclure, moi. Oui, Bob, j'aime quand t'es passionné. Tiens, ça y est, ça me reprend, là. Ça me reprend. Quoi, Bob? Quoi? Bah, la force qui me soulève, la joie d'aimer. Ah, ah, tu vas quand même pas. Mais non. Mais Bob. Je t'aime. C'est dingue quand même, hein. Tu te rends compte la force que lui donne l'amour? T'as vu comme il est heureux? Il est heureux comme, comme Michaud tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Et ça te dirait pas de conclure, toi aussi? Ça y est, ça me reprend. Anita, je t'aime. Pour le moment. Ah, très bien, je lui dis de vous rappeler d'urgence. Vous êtes monsieur? Oui, attendez, je note. Monsieur Duparc. Très bien. Oui, au revoir. Alors, il ne veut rien savoir, il ne veut plus travailler. Oh, il est incroyable! Alors, Michaud qui se transforme en être humain, alors ça, c'est impayable. Ça te fait rire, toi? Je sais pas comment je vais faire avec tout le travail qu'il y a. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis que t'es parti. Tout le monde veut parler à monsieur Michaud. Mais regarde-moi ça. Voilà, tiens, tout ça, là, voilà. Ah. Mais comment je vais faire, moi? On va pas recommencer, hein. Allô? Oui, non, madame. Non, monsieur Michaud n'est toujours pas revenu. Mais je lui transmettrai, bien sûr. Au revoir, madame. Bah, tu sais quoi? On est dans le beau drap. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'imagine la tête des gens s'ils voyaient Michaud en ce moment avec Suzanne. Oui, là, ils seraient surpris. Bon, bah écoute, hein, si t'as d'autres appels pour monsieur Michaud, tu dis qu'il s'est absenté pour la semaine, le temps que je m'arrange avec la direction générale. Bon, ben, d'accord. Entrez. Ah, Tom, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'aurais voulu parler à Brigitte. Ah ouais? Oui. Bah, vas-y, Tom. Oui, c'est-à-dire que j'aimerais bien parler à Brigitte tout seul. Ah non, Tom, là, je sais pas si t'es au courant, mais Norbert Michaud ne veut plus travailler, alors Brigitte, j'en ai besoin pour la journée, hein. T'attendras ce soir? Non, il faut que je parle tout de suite. Écoute, Tom, ce n'est vraiment pas le moment. Bah, viens, Brigitte, et il faut qu'on oui, parle. Oui, mais Tom... Non, mais enfin, Tom. Allez, tiens. Mais reviens. Mais ils sont... Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Allô, oui. C'est toi? Quand? Depuis ce matin? Oui? Tout de suite? Oui. D'accord. D'accord. Agnès, j'aurais voulu te parler. C'est vraiment pas le moment, moi. Je suis désolée. Pas maintenant.
Eh ben, c'est pas encore aujourd'hui que je vais conclure. Oh, Tom! Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais te parler, quoi. Bah oui, mais si t'as quelque chose à me dire, écoute, dis-le-moi. Bah oui, mais pas ici. Mais si, 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 c'est très bien. Écoute, moi, je vais pas plus loin, hein. Agnès va être furieuse. Michaud vient de la laisser tomber. Elle a besoin de moi. Alors, écoute, fais vite, hein, parce que... Vite, vite, vite. C'est facile à dire, hein. Mais non, écoute. Si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis, c'est tout. Oh, vous, les femmes, hein. Des fois, vous vous rendez pas compte. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, parle, explique-toi. Bon, voilà. Ce matin, j'ai vu Bob avec Anita, après j'ai vu Michaud avec Suzanne. Ouais? Ben oui, je me suis rendu compte qu'ils étaient heureux. Ah ouais, ouais, ouais. Alors? Et alors, nous aussi, on pourrait être heureux, comme eux, si on le voulait. Mais c'est ce que tu veux, Tom? Bah ben, si, oui, je le veux. Toi, tu le veux, Brigitte? Mais tu me demandes si je le veux? Bien sûr que je le veux. Ouais. Non, mais attends. Mais pas ici, Tom, parce que... Bah, c'est toi qui as voulu qu'on s'arrête là. Oui, mais Tom... Chut, chut, chut. Brigitte, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est une épidémie ou quoi? Ben... Il n'y a plus que moi maintenant. Hein. En fin de compte, elle est pas si mal que ça, la copine de Betty. Salut Sandra. Salut, mais comment tu connais mon prénom? Ah ben, c'est mon petit doigt qui l'a dit. Non, sans blague. Ouais, sans blague, hein. Moi, c'est Mo. Tu veux que je te dise un truc? Quoi? Je sais exactement où tu veux être, là. Ah oui? Et où ça? Ah, écoute. Tu viens? Allez, viens, tu vas voir, ça va être génial. D'accord. Hé! Hey, respirez quand même, hein. Alors lui? Lui, il changera jamais. Ben non. Bon, ben tu viens. Écoute, Tom, viens là. Il y a Agnès qui est toute seule, alors je peux pas la laisser. Je vais. Bah, pour une fois, c'est pas grave. Mais non, Tom, écoute, je te promets, ça m'embête, hein. Après? Si c'est comme ça, il y a plus qu'une solution. Je vais... C'est là. C'est vrai, Bob, que vous êtes formidable! Ah oui, tous mes compliments, quel talent! Ça me rappelle mon adolescence, tous ces airs des années 60! Ouais, c'était vraiment super, Bob. Merci, vraiment. C'était carrément génial. Ouais, c'était super génial, hein. Et c'est vrai qu'elles sont toutes belles, belles comme le jour. Voilà, moi. Et moi, tu m'embrasses pas? Bah si, bien sûr. Oups. Encore bravo, Bob! Merci, Norbert. Non, mais ça, c'est un jour qu'il fallait fêter ce jour-là. Parce que regardez, moi, je conclue, Norbert devient un pote. Franchement, c'est grandiose, non, Norbert, franchement. C'est vrai que c'est grandiose. Comme quoi, tout peut arriver. Ma chère Suzanne. Oh, tout à fait, mon cher Norbert. Non, mais moi, je le savais au départ, ça, parce que je vais vous dire une chose. J'ai tout de suite su que t'étais quelqu'un de bien. Ce qui te manquait, c'est deux petits trucs, c'est l'amour. Eh ouais, non, parce que sans amour, on n'est rien du tout. Ouais, c'est comme ça, hein, Anita? Je me demande bien quand même où Agnès a pu passer, hein. Ah
Bah oui, c'est vrai. On l'a pas revue depuis cet après-midi, hein. C'est bizarre, ça. La dernière fois que je l'ai vue, elle était très excitée. T'as rien dit? C'est-à-dire, je voulais lui parler, et... Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je voulais lui parler des cours. Hein. Bah ouais, alors? Et alors? Alors elle est partie comme une folle en me bousculant, et elle a quitté le bureau. C'est bizarre, ça, quand même. Moi, je suis sûr qu'elle a suivi mon conseil. Ah oui? Et c'était quoi, votre conseil? L'amour. Bah oui, regardez. Mais c'est Pat! Pat! Ah, c'est bien Pat, il est revenu, regarde. Oh, c'est fou! Comme quoi tout peut arriver! N'est-ce pas, ma chère Suzanne? Pat, Agnès! Et la fin, champion, champion, écoutez bien. Les copains, je vous enlève Agnès.